Très satisfait du score, malgré qu'on ait subi une bonne partie du match. Ça a été difficile, mais on a su rester unis, on a su rester très, très regroupés, bloc compact, bon état d'esprit. Donc c'est comme ça qu'on engrangera encore des victoires et être efficace devant le but quand on a peu d'occasions dans un match. C'est les matchs de Ligue 2, c'est des matchs où même quand tu n'as pas le ballon, tu arrives à gratter des points. C'est ce qui donne la confiance aussi, parce qu'on a pas su faire ça contre le Gazélec. Mais là, l'état d'esprit était très bon. On a bien défendu ensemble avec beaucoup de rigueur. Et c'est comme ça qu'on gagnera encore les matchs. On a 7 victoires sur les 9 derniers matchs. Donc il faut retenir ça. Créer encore une dynamique à partir de ce match-là. Il reste 4 matchs de championnat et un match de coupe. Donc il faudra prendre le maximum de points avant de partir en vacances la tête libre. Ouais, bien sûr, c'est toujours particulier pour moi de venir ici. J'étais content de revenir, de revoir un peu tout le monde. Après, c'est vrai que les 2 derniers déplacements, c'est pas des super souvenirs. On fait plutôt un bon match aujourd'hui. Après, je pense qu'on a manqué d'efficacité, c'est l'essentiel. Et on n'a pas su le faire aujourd'hui, à contrario. L'Estac a marqué au bon moment, ça nous a fait mal. Et on n'a pas réussi à revenir au score. On a étudié cette équipe de Troyes. On sait qu'en ce moment, voilà, il y avait des difficultés à jouer, qu'ils avaient un jeu plutôt direct. Donc on savait que même en ayant la possession, ils pouvaient être dangereux sur des contres ou sur des actions assez directes, comme ça s'est passé sur une touche qui n'est pas vraiment dangereuse. En 2 passes, ils se retrouvent en face à face. Et donc c'est dommage. Après, je vous dis, je pense qu'il fallait surtout passer le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Ils auraient baissé en intensité, comme ça a été le cas d'ailleurs. Mais bon, en menant au score, ils ont bien tenu, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais nous, comme je vous dis, on a manqué d'efficacité des 2 côtés. Devant, même en ayant la possession et en jouant bien au football, on a manqué de dangerosité, je pense. Je tiens à féliciter toute l'équipe déjà. Ça a été un gros travail de toute l'équipe ce soir. On savait que c'était un gros match. On avait vraiment à cœur de renouer avec la victoire parce que le match au Gazélec, on était vraiment passé à côté. On est conscient de nos capacités, on est conscient aussi de nos manquements sur les derniers matchs. Donc là, je pense que les 3 points de ce soir vont faire du bien à la tête et on va pouvoir repartir vers l'avant et pour enchaîner une série parce que dans le championnat de Ligue 2, on sait que si on veut exister, c'est par la constance et des bonnes séries.